Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle et bienvenue à Rennes. Il fait un temps magnifique, la Bretagne, c'est magnifique. Donc, me voilà de retour à Rennes pour les 6 prochains mois. Et aujourd'hui, je voulais te parler de quatre raisons pour lesquelles tu peux avoir des contractions plus tôt que d'habitude. Donc, je te parle de tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc avant de commencer cette vidéo, je veux juste te dire que du coup, comme je te disais juste avant dans l'introduction, c'est que je suis rentré en Bretagne pour un petit moment. Donc du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour aller boire un verre, ou alors s'entraîner, ou alors faire des ateliers, ou alors faire de la chasse sous-marine, plonger ensemble, etc. N'hésitez pas à me contacter, je vais être là pas mal de temps, donc ça me ferait plaisir de rencontrer des personnes autour de l'apnée. J'avais fait des apéros... le jeudi soir, c'est peut-être pas la bonne date, donc n'hésite pas à me dire aussi s'il y a des dates qui sont mieux, peut-être lundi soir, mardi soir, ou alors un samedi après-midi, on peut essayer d'organiser des choses, etc. Donc voilà, assez pour ça. Donc aujourd'hui, je vais te parler des contractions. Okay, donc une personne, Wari, m'a contacté sur Facebook et me demandait pourquoi il avait des contractions plus tôt que d'habitude. Normalement, il avait ses contractions vers 1 minute 45 ou 2 minutes, je crois, de tête. Et depuis un moment, il les avait beaucoup plus tôt, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Donc je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo pour te dire un peu ce que j'en pensais par rapport à ça, les quelques raisons pour lesquelles cela peut arriver. Il y a quatre raisons. La première raison, c'est la fatigue, un manque de sommeil. Donc surtout bien, si tu t'entraînes beaucoup, si tu t'entraînes régulièrement, il faut aussi prendre du temps pour bien dormir et dormir longtemps et pour bien récupérer. Donc super important le sommeil. Deuxième raison qui va un peu avec le sommeil aussi, c'est sur la récupération, sur le temps d'entraînement. Trop d'entraînement, il ne faut pas trop non plus trop s'entraîner, ton corps se fatigue et après des fois tu peux avoir du coup un surentraînement peut engendrer de la fatigue et du coup tu vas avoir ces contractions qui vont arriver super tôt aussi. Donc je te conseille de ne pas faire de CO2, de tas de CO2 ou d'O2 ou même de l'entraînement tous les jours. Peut-être ralentir un peu, en faire un peu moins et voir ce qui te va le mieux pour bien récupérer. Okay, donc pas de surentraînement. Stress, okay, si tu es dans une période de stress ou alors donc mentalement ça peut être une période de stress liée au boulot ou autre chose et du coup ça te génère du stress et du coup tu as plus de mal à te détendre pendant tes apnées et du coup ça va te faire consommer plus d'oxygène et donc du coup plus de CO2 et donc tu vas avoir des contractions beaucoup plus rapidement. Donc si tu as un peu de stress dans ta vie à ce moment-là, essaye de vraiment te focaliser sur une bonne relaxation, une bonne respiration d'abord, une bonne relaxation, faire de la pleine conscience pour juste se focaliser sur ton corps et pas sur tes problèmes. Donc travailler là-dessus, ça va t'aider. Et la dernière raison, enfin c'est plus une petite astuce que tu peux utiliser, des fois ça peut être dû aussi à un manque de magnésium. Okay, si tu n'as pas assez de magnésium, tu risques d'avoir des contractions beaucoup plus tôt. Donc je te conseille peut-être d'essayer de faire une cure de magnésium, magnésium marin biologique de préférence. Ça va t'aider sans doute à reculer aussi des contractions. Moi ça je l'ai testé et ça fonctionne. Donc voilà, quatre raisons, quatre astuces. Donc surtout, la clé, hein, c'est vraiment de se reposer, de ne pas trop s'entraîner, de bien manger. Et puis si vraiment ça ne marche pas en ce moment, prends-toi une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois sans faire de plongée, sans t'entraîner et penser à autre chose et reviens après et tu vas voir, ça te permet de t'aérer et ça va t'aider aussi à revenir à tes performances d'avant. Donc si tu es intéressé par tout ça, si tu veux aller plus loin en fait dans cette gestion des contractions, de cette envie de respirer, j'avais fait une formation il y a quelques temps déjà, elle est toujours disponible, elle est en ligne, donc si tu veux plus d'infos, tu peux aller voir sur le lien ci-dessous, je te parle de la physiologie, de comment fonctionne cette envie de respirer, de comment retarder ces contractions, de comment travailler sur la pleine conscience, plein d'exercices, plein d'infos sur le sujet. Si tu veux plus d'infos, tu vas sur le lien, j'explique tout ça, je te mets en détail ce qui se passe dans la formation et voilà, les personnes qui l'ont pris pour l'instant, j'ai que des bons retours, c'était très très content de la formation, donc je t'invite à aller faire un tour si tu le souhaites. Sinon moi je te dis une très bonne journée, un très bon week-end et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves, ciao. Et oh, surtout n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube et de partager avec tes potes. Allez, ciao!